Je m'appelle Asma, j'étais lauréate d'un voyage au Bénin, c'était avec Festival Passoire 2022 et c'était en partenariat avec Eco Bénin et Babel Voyage. Donc on a eu la chance de venir ici au Bénin pour un séjour de 7 jours. On a été accueillis par Eco Bénin avec notre guide. Dès le début, l'accueil il était au top. On a eu un très 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 bon accueil. Donc ça a commencé déjà très bien. Après, on a commencé la visite le premier jour au lac Ganvier. Donc déjà à la première visite, on a apprécié. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant. Toutes les visites qu'on a fait, c'est vraiment des nouvelles choses pour nous. On a l'habitude de faire des voyages un peu plus classiques. C'est une vraie bonne découverte, le Bénin. On avait des idées sur l'Afrique, bien sûr, à travers ce qu'on voit à la télé et tout. Mais on a été surpris. C'est un très beau pays, très très vert. C'est ça notre grosse surprise. C'est très beau, il y a tout, il y a la mer, il y a les fleuves, il y a tout ce qu'il faut pour faire des circuits touristiques. Je pense quand on va revenir en France, on va essayer d'en parler partout autour de nous pour qu'on donne envie aussi à d'autres gens de venir ici, de découvrir le Bénin et de découvrir ce que c'est que le voodoo, parce que là aussi on avait des idées un peu fausses de ce que c'est le voodoo, comment ça se passe et tout. Donc là, avec les guides locaux, ils nous ont bien expliqué, ils ont pris le temps d'expliquer. On avait beaucoup de questions. Donc ils étaient tous très très gentils, ils nous ont vraiment bien expliqué sur l'époque des rois, on vient de voir la période où il avait l'esclavage. Donc c'est très 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 intéressant, c'est très enrichissant comme expérience. Et j'invite vraiment tout le monde à venir et visiter le Bénin. On n'a pas forcément été en train de chercher à faire un voyage. Donc on a gagné ce voyage au Bénin et c'était une surprise. Donc vraiment on découvre le pays parce que malgré qu'on est d'origine tunisienne, mais en Afrique, mais on ne connaît pas trop le Bénin ou même sa région. On était très contents d'être là. Et après 6 heures de vol, on était un peu fatigués, mais on a tout oublié une fois on a vu les guides. On était très très bien accueillis, on a très bien mangé dès le premier jour, on a passé une bonne nuit. Et dès le lendemain, on a commencé par une visite à Venise de l'Afrique. On a découvert beaucoup de maisons qui flottent sur l'eau. On a vu comment les gens peuvent vivre juste voilà, comme nous sur Terre, mais voilà, une ville qui est vraiment magnifique. On a mangé beaucoup de... Tout au long du voyage, on a mangé que des plats typiques de la région. Et on a beaucoup moins aimé parce que c'est en plus c'est épicé, un peu comme on mange en Tunisie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'à chaque fois qu'on se met dans une région, il y a un guide originaire de la région qui nous explique tout. Et c'est vraiment une grande valeur ajoutée parce qu'il n'y a personne qui maîtrise mieux que quelqu'un de la région, comme aujourd'hui à Ouida ou quand on était à Posotomé. On a découvert avec le guide tout ce qui est plantes médicinales, donc je pense qu'on va se remettre un peu, oublier un peu les médicaments, donc c'est très intéressant. On a trouvé que c'est vraiment un petit morceau de paradis. Avec le verdure partout, vraiment c'est encore brut, c'est encore naturel, donc il n'y a pas beaucoup d'industrialisation ou de zones hôtelières grandes avec des grands hôtels, grands bâtiments. C'est vraiment à l'état brut, là où on y va, les gens sont très accueillants, les enfants surtout. Hein, ils nous chantent toujours quand ils nous voient, ça nous fait plaisir. Et franchement, l'accueil est magnifique partout. C'est vraiment ce qu'on va garder, hein, surtout avec les guides locaux, les gens dans les marchés,
On n'a aucun cas senti qu'on est un peu étranger ou donc on se sent chez nous. Et c'est très très bien, hein, parce que voilà, on a bien profité du voyage et on est très hâte de encore découvrir d'autres choses dans les 2 jours qui restent. Et vraiment, on encourage tout le monde à venir découvrir. Certainement, ils ne vont pas le regretter. Hein, c'est magnifique.